Monsieur Lacombe, qu'avez-vous pensé de la dernière sortie de Bagdad Café? Très, très bonne course. Demain, Alexis Poirier, son jockey, il sera beaucoup trop chaud toute la ligne en face. Il a ouvert les doigts, il a laissé dérouler, 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 mais il a attrapé pour finir, voilà, tout simplement. Mmh. D'accord. Et un de plus, il a fait une grosse faute qui aurait pu lui coûter cher à l'Opadis. Mmh. Mais voilà, dans un terrain qui était pénible, et un bon lot, il a beaucoup trop laissé dérouler toute la ligne en face quand il a pris la tête. J'aurais préféré qu'il temporise. D'accord. Depuis On aura fini plus près. Ouais, il est quand même cinquième, hein, ce qui est déjà. Il est quand même cinquième, mais en rampant pour finir, il n'a pas passé. Il a fait son effort tout en ligne en face. Suite à cette sortie, donc, il a eu un petit break pour être vu là, finalement 2 mois plus tard. On va dire un petit break un peu obligatoire parce que en reprenant le boulot 15 jours après pour préparer une course de la Pau en début de maîtrise, hein, il s'est mis un mauvais choc le matin d'entraînement comme une béquille sur une jambe. Mm-hmm. Et ça nous a obligé contraint de l'arrêter une semaine et 10 jours. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce que ça peut être embêtant dans sa préparation, ce petit arrêt? Non, le seul point d'interrogation, c'est que voilà, on va être un petit peu longtemps sans courir. Mm-hmm. C'est le cours de taille. Et comme beaucoup, on a été embêté par la fraise, il y a eu beaucoup de sales pistes. J'ai pu travailler quasi normalement, mais voilà, quand les pistes s'engorgent d'eau, on fait attention, quoi. Mm-hmm. Alors, c'est bon, on sera vraiment au top et en futur, peut-être pas assez. D'accord. La distance, 4000 mètres, c'est grand. Ouais, ça ne m'inquiète pas. Le terrain non plus. Logiquement, il va être collant, voire lourd. Mm. Non, non. Oh oui, bah, il va pleuvoir hein, d'ici mardi, hein, dimanche et mardi, je crois, il va pleuvoir là-bas. Il a l'aptitude de parcours français, il a déjà gagné la peau. Mmh. Le terrain, ça va pas gêner, la distance non plus. Alexis, il vient d'un départ pour le maintenir, donc il le connaît. Mmh. On focalise pas sur un erreur, donc voilà. S'il répète ses bonnes choses qu'il a fait sous mon entraînement, moi je pense qu'il va faire l'arrivée. Mmh. Alors le petit doute, c'est son décret de préparation, si je comprends bien. C'est un peu ça. Voilà, longtemps sans courir, on a subi un petit contretemps. Et comme tous mes confrères entraîneurs, on a été embêtés par la météo. Beaucoup d'eau sur les pistes. D'accord. Pas un peu isolé, hein. Mes confrères sont un peu dans le même dos. C'est un peu la période. Mmh. L'inconvénient, un petit point un peu négatif. Et on sait toujours mieux de jouer à domicile. On se casse. Oui, c'est ça. C'est un choix qui... Ouais, les choses qui sont sur place, c'est quand même un avantage. Oui, c'est vrai, en effet. En effet. Voilà. Ça sera votre premier partant de l'année, je crois. Et c'est mon premier partant de l'année.